quatre temps ou 12 temps. Ou dites aussi temps composé. On va commencer avec les trois temps, que ce sera celle qui va nous servir. Donc, attention, le temps fort s'appelle Fa parce qu'il est frappé plus fort. Donc, rythme des trois temps, on va faire le 1, le temps fort. 1, 2, 3. Bah là, on s'est levé, on a dansé, c'est complètement différent. On a appris des techniques de danse, tout ça. J'apprends pas seulement la langue, j'apprends aussi le pays et franchement, bah, c'est cool. C'était bien parce que la prof elle donnait envie d'écouter et on s'amusait, on rigolait. 6 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 1, 2, 3. 4, 5 et 6, 1. Ça nous permet de dynamiser nos disciplines, de permettre aux élèves d'avoir une ouverture culturelle et surtout de mettre en pratique vraiment ce qu'ils font en classe. Du coup, cette séance a été vraiment très enrichissante parce que déjà en amont, on avait travaillé sur les flamencos, les origines, la musique, les accessoires et les instruments. Donc pour eux, ça a vraiment, ils ont pu concrétiser tout ça dans la pratique. Je pense que le fait justement d'avoir de la théorie et de la pratique et de vivre les choses, tout simplement, hein. C'est comme la langue, bon, on l'apprend, mais le meilleur apprentissage, c'est quand on va sur place, quand on pratique la langue. Donc voilà, là, ils ont pu mettre en pratique ce qu'ils avaient vu en classe et ça a été très enrichissant et très intéressant. Là, c'est nous, on invite l'Espagne dans la classe, donc ils peuvent toucher cette culture à travers les choses les plus jolies qu'il y a à montrer. Donc la culture espagnole, elle est richissime. Moi, que je suis italienne et que je vis en France et j'enseigne une danse qui vient d'Espagne, je trouve, j'ai choisi en quelque sorte ce pays parce que je le trouve très riche, comme j'ai choisi la France d'y vivre parce que je la trouve très chouette. Voilà, ça c'est l'Europe.